Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler d'Olbidia. On va voir si c'est comme ça qu'on le dit, de pacotille, d'Olympe de Gouges, des Jeux olympiques de sport de 1794. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes, épisode 153. C'est parti. Femmes. Voilà, j'en ai enregistré 153. Non, là, c'est 153e. Comment ça va, Victor Laszlo? Bien. Et tu es déjà venue, toi? Oui. Voilà. Comment ça va, Aurélie Bambuc? Très bien. Toi, c'est ta première fois? C'est mon baptême. Voilà, en tout cas, merci, mesdames. Heureuse de vous avoir pour ce 153e épisode de Femmes. Je vais vous laisser vous présenter. Honneur aux nouvelles, ok? Aurélie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Aurélie Bambuc. Tout à fait. Eh bien, je m'appelle Aurélie Bambuc, bonjour. C'est moi. Je suis journaliste, auteur, réalisatrice, documentariste. Mère de famille, documentaliste. Mm-hmm. Voilà. Et on commence par fille de, oui. Rajoutons l'étiquette. Oui, fille de, parce qu'on va parler de ça. Fille de deux champions. Hein, oui. C'est pas donné à tout le monde quand même. Roger et Ghislaine. Roger Bambuc, le Guadeloupéen, le sprinter guadeloupéen, oui. Et Ghislaine Barnet, la sauteuse en hauteur martiniquaise. Et tu fais le lien, en plus d'être fille de champion, championne, tu fais le lien entre la Guadeloupe et la Martinique. Oui, c'est pas facile tous les jours deux îles ennemies réunies en soi, mais à part Cassave, il y a eu Cassave, et puis il y a, la famille Bambuc. C'est ça. Qui l'a fait. Et alors, donc, tu es aussi maman? Tout à fait, de trois enfants, de trois garçons. Oui. Et c'est pas banal de le dire parce que ça, de cela découle certaines choses, comme par exemple le fait d'avoir écrit Pacotille. C'est quoi Pacotille? C'est une histoire de l'esclavage à hauteur d'enfant avec une petite fille en héroïne. Et c'est une bande dessinée qui raconte cette histoire de cette petite fille arrachée à son Afrique natale et déportée en Martinique, qui est l'une de mes îles donc, d'origine. Donc voilà, c'était une manière pour moi de raconter une histoire de la Martinique au début de la colonisation, de la traite négrière. D'imaginer la vie qu'auraient pu avoir mes ancêtres, de raconter une histoire qu'on ne m'a pas racontée, parce que c'était tabou du temps de mes parents de se dire descendant de personnes esclavisées. Et du coup, c'était, j'ignorais totalement, en fait, moi, quand j'étais petite, que je demandais qui étaient nos ancêtres, parce que je voulais anticiper cette leçon qu'on a tous eue de nos ancêtres, les Gaulois, à l'école. Mes parents m'ont ramené aux Arawaks, m'ont ramené premier peuple de la Martinique, des Antilles, mais ils ne m'ont jamais parlé de l'Afrique. Jamais. Et tu as grandi où? Tu as grandi en France? J'ai grandi en région parisienne, oui. Okay. Et même quand je me baladais sur un marché avec ma mère, quand j'étais petite, qu'on croisait un Africain qui reconnaissait en moi certains traits sénégalais ou maliens, ma mère disait « Non, elle est antillaise ». Elle ne voulait pas. Comme si c'était une insulte. Alors que non, pas du tout. Parce que tu peux dire, je suis antillaise, elle est antillaise, mais elle a des ancêtres africains. Oui. Tu peux dire les deux, et les deux sont vrais. Mais c'était un tabou. C'était un tabou parce qu'on a appris à oublier cette histoire, parce qu'on a appris que c'était une histoire qui faisait honte. Et c'est pas glorieux de se dire descendant de personnes qui ont été victimes, qui ont baissé la tête toute leur vie. Mais il y en a eu d'autres quand même, des gens victimes. Les Juifs ont été victimes. Et pour, voilà, mais il ne cache pas cette chose-là. Je peux me permettre, Victor, c'est vraiment une. D'ailleurs, c'est l'essentiel de mon travail sur les deux précédents romans, c'est justement cette similitude des mémoires liées à la traite transatlantique pas seulement à la Shoah, mais à toutes les violences faites à des auprès peuples, des peuples ashkenazes, des peuples juifs de l'Europe de l'Est. Et Aurélie, donc, tu as fait ce travail-là, donc, notamment avec Pacotille, donc, de l'autre côté de l'océan et l'île de la Liberté. Ouais. Donc c'était lié à tes enfants, tu disais. Oui, j'avais envie de leur transmettre finalement cette histoire qu'on ne m'avait pas transmise. Et si je me suis mise à écrire Pacotille, c'est parce que j'ai commencé à recueillir les mémoires de mon père et qui m'a raconté que justement sa première compétition en dehors de la Guadeloupe, ça s'est passé au Sénégal, à Dakar, en 1963, qu'il a visité l'île de Gorée, mais qu'il n'a pas eu la conscience d'être sur la terre de ses ancêtres, puisque justement c'était tabou à son époque, on ne lui en a jamais parlé. Et donc moi j'étais là à me dire... Mais moi, je ne ressens pas cette honte, mais au contraire, je ressens de la curiosité, j'ai envie de savoir, en fait. Je ressens un vide.
Je ressens un vide dans ma généalogie. Et donc, je me suis mise à faire ma généalogie, à retrouver mes ancêtres esclavisés, à prolonger le travail qu'avait déjà commencé l'un de mes oncles. Et donc, voilà, et ça m'a donné de l'émotion, en fait, à retrouver les actes d'affranchissement, à trouver des indices comme ça, à voir les personnes qui signent. Donc, du coup, on leur donne vie. Et c'est un devoir de mémoire aussi que de réussir à les remettre dans la lumière, à donner des prénoms aussi, parce qu'on dit esclave, esclave, comme et si c'était... Et tu as donné des prénoms à tes ancêtres J'ai donné des prénoms à mes ancêtres. Je sais qu'il y a Clorinde, je sais qu'il y a Orphèle, je sais qu'il y a un Mésence, il y a une Georges. Ils viennent d'où ? Tu sais d'où ils viennent ? Alors, tous sont nés en Martinique. Je n'ai pas retrouvé encore ceux qui sont arrivés d'Afrique parce que c'est encore plus compliqué de les retrouver. Comme on les a déshumanisés, retrouver une personne déshumanisée sur un bateau, ça n'est qu'un numéro, ça n'est qu'un bien meuble, c'est des descriptions très crues. Oui. Le gros nègre, la grosse négresse, des choses comme ça. Donc, mais voilà, je veux continuer et retrouver ceux qui sont venus d'Afrique et en tout cas savoir avoir un peu plus d'indices sur la zone d'Afrique d'où ils ont été déportés. Alors je disais, avant qu'on commence l'émission, c'est vraiment le hasard hein, qui préside à la constitution des plateaux de fond, mais en fait, il n'y a pas de hasard. Hein. Non, vraiment. Il y a un trait voilà, qui vous lie toutes les deux. Absolument. Toi, c'est ton travail. Est-ce que tu peux te présenter, Victor si Alors, je suis Victor Laszlo. Je suis... j'ai commencé par chanter, donc j'ai une quinzaine d'albums à mon actif. J'ai fait une tournée dans une quarantaine de films également. Et je publie depuis 2010, donc là c'est mon sixième ou septième roman. Et puis voilà, je suis maman d'un grand garçon de 36 ans. Oui. Je ne suis pas encore grand-mère. Je pense que c'est tant que je ne suis pas grand-mère, j'échappe à... je ne sais pas, peut-être à quelque chose... peut-être que le jour où je serai grand-mère, je vais me laisser pousser les cheveux blancs. Autant qu'il passe. Ah ouais, on en a, dans une émission précédente, on en a beaucoup parlé de ça. Fait que, voilà, on passait, on nous donnait une image, quoi. Oui, oui, voilà. C'est une image qui appartient à la vieillesse, tout ça. Non, bon, mais enfin, tu ne voilà, veux pas rentrer dans ça, toi. Hein. Pas encore, non, mais bon, voilà. Ça ne serait tardé. Tu es active, tu es créative. Ça ne serait tardé. Et puis, depuis 5 ans, je me suis mise à installer des festivals de littérature en Martinique. Il y a eu d'abord Festival Écriture des Amériques et depuis 2022, le Festival En Pays Rêvé, qui est le Festival de littérature internationale qui se déroule ici en Martinique en novembre. Et alors toi, ton travail, c'est travail sur la mémoire, le travail aussi autour des femmes. Alors, on va parler de ton dernier ouvrage, c'est Ce qui est à toi, la rivière de l'emport. Ce qui est pour toi. Ça qui pou. Oui, mais où pas mettre ces bagailles en créole. Ça qui pou, la rivière, ça, pas cachaillé, voilà. Ces bagailles-là. Mais où mettez. Alors, ce qui est pour toi, la rivière ne l'emporte pas, c'est ça? Oui. J'ai fait une traduction française. Donc, avec Olvidia, donc, qui est l'héroïne. Mais bon, il y a eu La femme qui pleure, Billie Holiday. Donc, tu es vraiment dans cette recherche aussi. Comme si vous étiez des historiennes, en fait. Toi, c'est... Ah ben, en tout cas, le travail sur les deux derniers, c'est-à-dire le travail des passagers du siècle. Oui, les passagers du siècle. L'héroïne Yamissi, qui est une femme qui a été arrachée, qui a été arrachée de son village en Centrafrique pour être amenée à Cuba. Oui, c'est un texte qui est profondément documenté, parce que quand on travaille sur l'histoire avec des réalités historiques imparables, il faut vraiment ne pas porter flanc à la critique, de ce point de vue-là en tout cas, surtout quand on n'est pas, on n'a pas de formation d'historienne. Et on parlait tout à l'heure, tu parlais de cette histoire de retrouver ceux qui sont arrivés sur le bateau. Il y a un Américain qui a répertorié tous les vaisseaux négriers. Je ne sais pas si tu as eu accès à ce... Alors, je connais un site, slavevoyage.org, moi, je connais. Ah, slavevoyage.org, ouais. C'est plusieurs chercheurs. Aussi, j'ai oublié le nom de la personne, mais tous les bateaux négriers, qu'ils soient partis, qu'ils aient appartenu au Portugal, à la France, de l'Asiento, les Hollandais, l'Espagne, etc., ils sont répertoriés avec le tonnage, le nombre d'esclaves, Donc, effectivement, ce ne sont pas des bateaux dans lesquels il y avait des humains avec des noms, mais des contingents de personnes qu'on considérait comme une masse, dans la mesure où une partie d'entre eux mourait pendant la traversée, avant, pendant et après. Donc, voilà. Et effectivement, effectivement, en cela, on a un travail qui se ressemble beaucoup. Et je vais m'empresser d'aller voir ce que tu as écrit pour les enfants. Mais moi, je vais m'empresser de lire également. Et alors, comme tu parles de ce site-là, il y a aussi, quand on va à Nantes,
Quand on va à Nantes, quand on va sur cette esplanade, là, le mémorial, le mémorial de l'esclavage, on est attiré, notamment quand il fait beau, on est attiré par des espèces de, comment dire, on est ébloui en fait, par des espèces de petits soleils qui s'élèvent de, du sol, qui sont des espèces de tomettes en verre qui portent tout le nom de bateau qui est parti de Nantes. Et moi, j'en ai retenu un, la fille unique. Ah, tiens. La fille unique, comme c'est poétique. Ouais. Voilà. Et toi, tu as fait un autre travail aussi, qui est un travail de documentariste, ouais, puisque tu as travaillé avec une héritière bordelaise, n'est-ce pas, sur la généalogie. La descendance d'un négociant colonial bordelais, en fait... suite à mon premier documentaire que j'ai réalisé sur mes parents avec cette révélation de mon père de « c'est tabou, on ne parle pas de cette histoire », j'ai voulu donc faire ma généalogie et j'ai proposé à la descendante d'un négociant colonial bordelais de faire sa généalogie également, en partant du principe que nos ancêtres avaient vécu la même histoire mais pas du même côté. Mmh. Elle se faisait attaquer, notamment par les associations antiracistes qui lui avaient... demander réparation directement. Elle a reçu une lettre recommandée d'une association qui lui demandait réparation. Votre ancêtre a exploité des personnes et donc du coup l'endroit où vous vivez finalement c'était avec l'argent de l'exploitation, donc vous nous devez payer, mais c'était pas des sommes d'argent qu'il demandait, mais une forme de réparation. Donc du coup elle s'est fermée et mais elle ne connaissait pas cette histoire. Et je suis allée vers elle. Ça a pris du temps. Hein. J'ai pris par la branche sportive parce qu'elle était sportive. Mmh. Je lui ai montré mon premier documentaire. Et je lui ai dit, moi, ce que je veux, c'est qu'on comprenne ce qui s'est passé, qu'on comprenne un contexte, en fait. Mmh. Parce que si on attaque, s'il y a des véhémences comme ça, c'est parce qu'il y a un malaise. Et s'il y a un malaise, il y a une colère qui s'exprime. Mais c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, en fait, qu'on ne nous a pas expliquées. Mmh. Donc, allons voir des historiens qui vont nous expliquer vraiment le contexte d'une époque, le contexte, ce qui s'est passé, et essayons de comprendre. Donc on est parti de Bordeaux, on a commencé au musée d'Aquitaine avec un historien qui nous a expliqué ben voilà, comment ça se passait entre Bordeaux et les Antilles, et on est allé en Martinique, on est allé en Guadeloupe, sur la trace de mes ancêtres, et sur la trace, les traces laissées par les Bordelais. Là-bas, on a visité la savane des esclaves pour comprendre, pour essayer de s'imaginer la vie sur les plantations. Oh, mais il suffit d'aller dans des des propriétés qui existent toujours. On est allé dans des champs de exactement de canne à sucre. On a fait l'habitation Gradis, puisque Gradis est un commerçant, un négociant bordelais. Donc voilà, on a fait l'habitation Murat à Marie-Galante. Et voilà, son état d'esprit a quelque peu évolué là-dessus, puisqu'elle porte le nom d'une rue. Son ancêtre est dans une rue encore à Bordeaux. C'est le cours Balguerie Stutenberg. Voilà. Et donc à un moment, on voulait enlever les noms de ces rues qui portent le nom de négriers, les débaptiser, et finalement, il a plutôt été retenu d'expliquer. Voilà. Parce que moi, je partais du principe aussi qu'on n'écrit pas l'histoire avec une gomme. Non. Ça a été tragique, mais il faut expliquer justement pourquoi ça a été tragique. Oui, tout à fait. Bah, j'allais le dire, je ne pensais pas que tu l'aurais mentionné, mais j'ai vécu... je suis allée très souvent à Bordeaux pendant une quinzaine d'années et ce quartier-là, je le connaissais et j'ai suivi cette histoire. Effectivement, mais c'est comme pour le déchoucage, les statues qu'on enlève. Moi, je suis vraiment pour l'explication de l'histoire, faire figurer les choses, parce que l'histoire, comme tu l'as si bien dit, on ne l'écrit pas avec une gomme. Alors, c'est assez schizophrénique comme truc, mais il y a un autre stade. Il y a celui de ma famille, ou moi en tout cas, qui porte donc ces deux mémoires et qui dit à travers les histoires, moi je suis arrivée dans la cale, et, enfin mes ancêtres sont arrivés dans la cale et sur le pont. Ouais. Et ça c'est vraiment un truc de schizo. Oui, oui. Parce que ces deux histoires-là, tu les portes même si tu es attirée tout naturellement vers la part de toi ou de ton histoire qui a souffert. Oui. Voilà. Mais il faut assumer les deux. Il faut assumer les deux. Et c'est ce que raconte ce qui est pour toi la rivière ne l'emporte pas. Je voudrais que David nous fasse voir une image. Aurélie, tu voulais dire quelque chose? Oui. Attends, tu vas finir, mais... Mais il n'y a pas de souci. Regardons cette image, et puis dis-nous ce que tu voulais nous dire. Ben justement, le côté schizophrène, moi, en faisant ma généalogie, j'ai retrouvé, donc, du côté de ma mère, les ancêtres
esclavisées, ouais. les ancêtres propriétaires, ouais. mais j'ai trouvé des ancêtres propriétaires noirs. Ouais. Mais bien moi, je ne pensais pas. Ah mais bien oui, sûr, mais bah, j'étais comme ça. Voilà, pour moi, voilà, il y avait un monde binaire. Si oui, le blanc, c'était le dominant, gens, le noir, c'était le dominé. Ce qui était le cas, mais voilà. Mais le noir libre et qui avait des esclaves, je dis, ah oui, ouais, mais alors, ça, c'est plus en nuance. Ça se situe sur un long temps quand même. Oui, on oui, parle oui. Mais sur voilà, 300 ans, c'est pour ça que dans le... Pacotille, je tenais à raconter cette histoire tout en nuance, en fait, qu'il ne fallait pas basiquement opposer par des couleurs. Pour moi, Pacotille, une couleur n'est pas égale à un statut. Non, oui, je parle des engagés européens, parce que ça aussi, je l'ai découvert dans les livres d'histoire. Je ne savais pas que des Européens blancs aussi, avaient aussi été exploités. Exploités comme ça. Ils n'avaient pas les chaînes, mais ils étaient aussi exploités. Ah, donc, du coup, ça relativise aussi les choses. Hein. C'est, Et même, en fait, ton héroïne dans Pacotille, donc c'est, elle s'appelle Njinga. Oui, Njinga, c'est le nom d'une reine du royaume d'Angola. C'est ça. Et moi, j'ai vu ce documentaire de Jada Pinkett Smith qui retrace Netflix. L'histoire de cette femme. Elle a résisté, mais aussi, on voit le rôle des mercenaires noirs qui sont instrumentalisés et qui pactisent avec le colon. Et qui va, voilà, voilà. Et donc, il faut le dire, ça. Et toi, tu insistes, il faut raconter toutes ces histoires. Là aussi, on a un point de vue que tu prends dans ton dernier livre, « Ce qui est pour toi, la vie ne l'emporte pas », avec l'histoire de cette femme qu'on aperçoit dans ce tableau. Ouais. Donc, l'abolition de l'esclavage proclamée à la Convention de Nicolas André Moncio. Oui. Donc là, il s'agit, donc, c'est un tableau qui retrace ce qui s'est passé en 1794. Voilà. La première abolition. C'est quoi abolition. C'est le point de départ de ton livre. Hein. C'est, en fait, c'est Danton qui est en train d'annoncer, il vient d'apprendre que la Dominique a aboli les esclaves 3 mois plus tôt, non, même plus, parce que c'était en septembre, la Dominique, et on est en février, donc ça a mis le temps pour arriver. Et donc là, c'est la déclaration de l'abolition de l'esclavage, en février 94. Et André-Nicolas Moncio a peint, a dessiné tout un aéropage de personnes venues de toutes les colonies françaises avec leurs habits. C'est tout à fait improbable parce qu'il fait froid, il y a des gens qui sont pieds nus. Donc c'est complètement... Comment dire, c'est un fantasme. Oui. Mais ce qui m'a frappé sur ce dessin, il y a des signards, la signard derrière avec sa haute coiffe. Oui. Ce qui m'a frappé sur ce dessin, c'est cette femme assise à gauche de Danton, qui est une femme noire, qui a l'air vraiment épuisée, avec une petite fille assez jeune. Un enfant à côté. Voilà. Mm-hmm. Et je me suis dit, en fait, j'avais commencé à écrire l'histoire d'Olvidia. Oublié en espagnol. Ouais. Et le jour où je suis tombée sur ce tableau, je me suis dit, mais voilà. Voilà, mon Olvidia, c'est là qu'elle arrive, parce que cette femme est guidée par une volonté, une compréhension de ce qu'est la liberté, de ce que sera la liberté des siens, en regard de la liberté des peuples et des femmes, donc. Et elle ne vivra que pour entendre ce mot. Liberté. Oui. Mais en réalité, il existe une vraie histoire. Cette femme s'appelait Marie Dupré. Ah bon. Son vrai nom, c'était Marie Dupré. On ne sait pas grand-chose d'elle, sauf qu'elle avait coutume de venir assister au débat à l'Assemblée, et il était de bon ton de se laisser aller à ses émotions, etc. Et elle s'est évanouie. Et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée sur cette estrade. C'est pour ça qu'elle est avachie. Mais voilà. En tout cas, c'est le point de départ de l'ouvrage. Donc, on trouve dans les premières pages de ton ouvrage. Et puis, cette femme, elle a un nom. Donc, elle s'appelle Olivia, et on retrace son histoire. Et c'est l'histoire de l'esclavage, mais c'est aussi l'histoire d'une identité qui se transforme. C'est l'histoire d'une émancipation. Et c'est, en fait, je dirais même que c'est l'histoire de deux émancipations. Parce qu'on parle de deux femmes. Oui. Justement, l'histoire de la femme qui est arrivée sur le pont et celle qui est arrivée en dessous. Ce sont ces deux femmes-là qui sont... Madame Delalleux, quand on connaît l'histoire, tout n'est pas blanc ou noir. Quoi. Oui. C'est, bon, c'est peu... D'ailleurs, il y a vraiment deux moments. Il y a deux parties dans ton livre. Donc, il y a quand elle est effectivement quand elle est en Martinique, quand elle est effectivement esclave en Martinique, puis ça évolue. Et puis, c'est pour ça que je dis qu'elle change d'identité. Il y a l'émancipation, mais l'émancipation... entendue, pas seulement, au sens de l'émancipation, on passe de l'esclavage à la liberté.
C'est pour ça que je parle d'identité, moi. Je ne sais pas si je dirais l'identité, mais en tout cas, c'est plus une émancipation au niveau de l'humain. D'une femme, quoi, d'une femme, de l'humain, femme. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut associer les deux, celle de Madame de Lalain, qui va quitter progressivement son assignation d'épouse, dominée par un maître. Elle est autrichienne aussi, d'ailleurs. Elle est autrichienne, ouais, dominée par un mari. Oui. Parallèlement à Olvidia, esclave domestique, dominée et abusée par un homme. Et alors, là où tu... Parce que vous disiez, bon, rien n'est... Enfin, tout n'est pas blanc ou noir, quoi. Il y a de la nuance. Et d'ailleurs, Olvidia, son enfance, sa propre mère ne l'appelle pas. Elle n'a pas de prénom, par exemple. On l'appelle la fille, c'est ça, on l'appelle fille. Donc, elle n'est même pas aimée par sa fille. C'est important de dire ça aussi, de parler de cette zone grise, en fait. Voilà, les zones grises, là, en l'occurrence, la zone grise, elle est très claire, puisque je pense que dans toutes les sociétés où les femmes étaient violées, il a pu y avoir un rejet. Ben oui. Un rejet de leur propre descendance. Et là, on se trouve devant ce rejet. Tout à fait. Je vous propose qu'on fasse un premier stop focus. Alors, dans Focus, je voulais vous parler, comme d'habitude, je cherche, voilà. Dans Focus, je voulais vous parler de la Convention d'Istanbul, en fait. Est-ce que vous savez ce que c'est que la Convention d'Istanbul? Je fais ma maîtresse d'école. Non, madame. Je l'étais. Tu n'es plus journaliste. Non, plus. C'est vrai, tu n'es plus. Ça fait un an. Non, c'est je vrai. Veux vivre de mes idées maintenant. C'est vrai. Alors, raconte-nous ça, parce que tu étais journaliste. Où tu étais journaliste? J'ai fait 17 ans de radio à Radio France. J'ai commencé à France Inter au service des sports. J'ai évolué au service culture. J'ai travaillé après à Bordeaux, à France Bleu Gironde. Et maintenant, je veux vivre de mes propres idées. Je veux raconter mes histoires et plus que l'actualité m'impose ces histoires. D'accord. Mais pourquoi tu as choisi d'être journaliste à l'époque? J'ai choisi d'être journaliste pour raconter des histoires. J'ai choisi d'être journaliste, en fait, parce qu'on m'a donné le choix entre être intermittent du spectacle et être journaliste. D'accord. Et que journaliste, il y a une carte. Et je trouvais que ça faisait plus sérieux. Okay. S'il y avait eu une carte dans intermittent du spectacle, mais voilà, je travaillais pour une émission pour les jeunes, en fait. Puis il y avait des réductions d'impôts aussi, on va dire, à l'époque. J'ai même pas fait, je l'ai découvert après. Et donc, mais je travaillais dans une émission pour les jeunes, en fait, pour les 15-25 ans, le mercredi après-midi, après le Club Dorothée, il y a eu ça. Et donc, on m'a proposé de m'embaucher en me proposant de choisir le statut. D'accord, mais je fais une intéressante. Je voulais juste qu'on, comme on a beaucoup parlé des européennes avec et puis les résultats. Je voulais juste qu'on fasse un petit focus, juste info. Donc la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Donc c'est ce qu'on appelle la Convention d'Istanbul. Donc en fait, c'est une convention qui a été signée, qui a été adoptée le 11 mai 2011. Et pourquoi il y a un peu d'actu? Parce qu'elle va fêter ses 14 ans. Parce que l'entrée en vigueur, l'ouverture du traité, et l'entrée en vigueur plutôt, c'est le 1er août 2014. Okay, donc ça fait 10 ans. Et pour l'entrée en vigueur, il fallait des ratifications. Il y en a eu 10. Je vous propose qu'on écoute, à l'occasion de ce 10e anniversaire, une jeune femme de Human Rights Watch qui appelle... les États membres du Conseil de l'Europe à ratifier cette convention, donc qui protège, qui est une convention qui lutte contre les violences faites aux femmes. On l'écoute, si on peut l'entendre. 10 years ago, the Istanbul Convention opened for signatures. This is a convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. It's been widely celebrated by women's rights groups across Europe as a giant step forward in protecting all women and girls from violence. So what exactly is the Istanbul Convention, and why is it important? The convention was adopted by the Council of Europe, a leading regional human rights organization with 47 member states. It legally binds countries to prevent violence against women, protect victims of violence, and prosecute offenders. The convention also defines and calls for the criminalization of all forms of gender-based violence, including sexual, physical, and psychological violence, as well as ones not yet in many national laws, like stalking and forced marriage. During lockdowns related to the COVID-19 pandemic, reports of domestic violence soared. But even before then, nearly 30% of women worldwide experienced violence by an intimate partner in their lifetime.
And one in three women in the European Union reported having experienced physical or sexual assault since the age of 15. Yet some governments have recently withdrawn or threatened to withdraw from the convention. Misrepresenting it is harmful to society and families. Others are dragging their feet on ratifying and implementing it. Rights activists are fighting back. Zostawcie plakaciarość! 10 years on, the best way to celebrate this important treaty is by pushing our governments to ratify it, stay party to it, and implement it to make sure all women and girls are protected from violence. Victor brûle de parler, mais tu n'es pas encore en tête, Victor. Voilà, Convention d'Istanbul, donc la Convention d'Istanbul, donc prévention et lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Ce qui te choque, c'est C'est qu'en 10 ans, il y a un net recul de cet engagement-là, de la part d'énormément de pays, d'ailleurs, c'est ce qu'elle disait. Et puis le comble, c'est que ça a été ratifié à Istanbul. Bon, mais c'est peut-être un aiguillon pour aller plus loin, mais bon, on peut y voir peut-être un signe d'espoir. Qu'est-ce que tu en penses, toi? J'en pense que c'est hallucinant de se dire que 10 ans plus tard, on en soit encore là. 30% des femmes ont connu des violences. On en soit encore là. Ouais. Voilà. On en soit encore là et que tous les pays européens, au niveau européen en plus, oui. Que tous les pays européens n'aient pas signé. Mmh. Donc ça prend du temps. C'est hallucinant de voir à quel point ça prend du temps de défendre les femmes, en fait. Mmh. C'est quoi pour vous? Parce que c'est vaste. Bon, les violences, quelles seraient? Alors, au-delà des violences, on a beaucoup parlé, par exemple, du droit à l'avortement qui est inscrit. La France a progressé, par exemple, en inscrivant la Constitution. Pour vous, quelle serait l'ultime... Elle lançait quelque chose, Olivia, des violences. Hein. Elle lançait quelque chose, et même de la loi aussi. Quelle est l'ultime frontière, vous, aujourd'hui, vous, en tant que femme bon, tu vis en France, mais antillaise, toi, Victor, quel est le droit à gagner? Quel est le droit qu'il faudrait gagner? Le droit qui n'est toujours pas acquis, c'est l'égalité salariale. Mm-hmm. Ça, c'est, on dirait qu'on met un mouchoir là-dessus, c'est effrayant. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment un droit à gagner, mais d'une façon irrévocable. Voilà. Parce que le reste de la défense, c'est évidemment les violences. Oui. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on va éliminer, qu'on va arracher à une structure sociétale. C'est un état d'esprit, c'est des pratiques, c'est de l'éducation, et tout ça, ça prend du temps, et on va finir par y arriver, sans doute, et plus lentement dans certaines sociétés, dans certains pays. Mais oui, je pense essentiellement à l'égalité salariale. Moi, je pensais au côté le droit à disposer de son corps, en fait. Le côté, quand on est femme, c'est tout de suite, on est un objet. Il y a le côté extérieur. Il y a le côté, on est femme, donc on peut susciter le désir. Et donc, du coup, on nous prend pour ce qu'on représente et pas pour ce qu'on est. Mmh. Et donc voilà, donc je dirais le droit de disposer de son corps à se dire on est femme, oui, mais on est femme à l'intérieur, quoi. Mmh. Et c'est ça avant tout qui compte. Ok. Jingle, le mot de femme. Juste un mot, donc on a parlé du début, donc ce qui a été l'accroche. Comment tu travailles? Donc on a fait mention du fait que vous n'étiez pas historienne. Mm-hmm. Donc vous êtes des fictionnistes, en fait, vous inventez des romans. Comment tu travailles? C'est un travail colossal, aller chercher, on va pas raconter le livre, mais bon, c'est une traversée aussi dans la Révolution française, la première Révolution, on croise Olympe de Gouges, puis il y a des choses très précises qui se passent à Paris, dans ces cercles, voilà. Donc comment tu as travaillé? Et à la fin d'ailleurs, il y a une bibliographie, oui. Oui, depuis les trois derniers romans, il y a des bibliographies. Comment tu as travaillé? C'est l'histoire qui m'indique les recherches, en fait. Parce que j'ai une histoire en tête, je la situe dans une temporalité, et je veux connaître un maximum, je veux avoir un maximum d'informations sur cette traversée, ce chemin que je vais faire avec les héros, les héroïnes. Et donc, c'est l'histoire qui m'amène à rechercher tout ce qui se passait à tel endroit au XVIIIe siècle, entre telle année et telle année, parce qu'on est dans des choses très précises. Mais... voilà, et puis le grand danger quand on travaille avec des ressources sur ces plateformes de la très grande bibliothèque ou de Percé, tout ça, c'est de se perdre dans ces ressources. C'est tellement passionnant. Oui.
on a envie de descendre encore plus loin. Mmh. Et voilà, mes éditeurs m'ont toujours dit, attention, ne te noie pas dans tes ressources, parce que c'est passionnant, mais tu vas perdre ton fil. Ouais. Mais alors, donc vous n'êtes pas historienne, vous faites exister cette histoire à travers vos écrits inventés, imaginaires, mais avec effectivement des éléments qui sont vérifiés, des éléments historiques vérifiés, mais... Néanmoins, vous faites exister cette histoire à travers des personnages, donc Olvidia ou Pacotti, mais ce n'est pas l'histoire vraie. Vous voyez, ça... mais c'est une histoire possible, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est la probabilité de ce que nos ancêtres auraient pu vivre. Les gens, et ils auraient pu croiser des gens réels, des gens connus, des personnalités, des personnages de l'histoire. Oui. Juste après, je vais fermer ma grande bouche. Mais je vais pas monopoliser non plus. Mais j'ai tourné longtemps autour de la Martinique. Oui. Contrairement à toi, ça me faisait peur parce que les choses sont tellement proches. J'ai eu tellement peur de qui c'est qui est Martinique de toucher dans ton père. Mon père et ma mère de Grenade. Peur de vexer certaines personnes que je connais. Je parle d'un endroit qui existe, que j'ai identifié. Alors, j'ai changé de nom dans le roman. Mais cet endroit existe. Et donc, c'est très, très difficile de construire une histoire sur un territoire qu'on connaît par cœur, avec des gens dont les descendants sont encore là, et de se mettre au milieu de ce panier de crabes qu'est la société martiniquaise, la société schizophrène dans laquelle on vit en Martinique. C'est compliqué. Donc voilà, c'est compliqué, mais... Le roman précisément permet ça, permet d'être dedans, mais finalement de prendre ce recul nécessaire. C'est l'apanage des... Nécessaire. Et j'aime bien d'ailleurs la fin, on n'a pas fini de parler du livre, mais la fin, donc, c'est la signature du traité de Whitehall. Mais juste après, donc il y a la première. Est-ce que tu sais ce que c'est le traité de Whitehall? Non. Dis Aurélie, c'est terrible. C'est-à-dire que 15 jours après... Dis-lui. 15 jours après la signature de la ratification de... L'abolition de l'esclavage, la première abolition de 1794. 15 jours après, la Martinique fait sécession. Oui. Ah oui, voilà. D'accord, je ne connaissais pas le traité entre les Anglais et les Colons. Et c'est pour ça que la Guadeloupe a connu 8 ans de liberté, contrairement à la Martinique, où ils étaient toujours, ils avaient toujours les fers. Voilà. Il y a un très beau livre, un roman d'Emmanuel Nossin qui parle de cette période, qui est un pavé. Alors, Emmanuel Nossin est connu, c'est un pharmacologue, il me semble, qui est connu pour ses recherches sur les plantes, tramiles, etc. Et il écrit ce très beau livre qui s'appelle quelque chose du mal fini, excusez-moi Emmanuel Nossin, je ne me rappelle pas bien du titre, mais ça traite vraiment à partir d'un roman de cette période-là, et de la société martinique, la société de Saint-Pierre, etc. Passionnant. Ah, bah, le cri du mal fini peut-être, ou de Manfini, désolé, mais bon, allez chercher Emmanuel Nossin, et voilà. Donc, non, tu n'as pas monopolisé la parole, puisque maintenant, on va donner la parole à cette jeune dame pour qu'elle nous parle de l'autre casquette qu'elle va mettre tout à l'heure, enfin maintenant même, fille de. Voilà, fille de, tu l'as dit tout à l'heure, Roger et Gisèle Bambuc. Roger Bambuc, qui a participé aux Jeux Olympiques, plusieurs, mais notamment deux Jeux Olympiques. Qui est monté sur le podium à Mexico. Mexico, c'est 68. C'est pas lui qui lève non, le non, non, c'est pas lui. Il était dans la même course que Tommy Smith et John Carlos. Exactement. Il finit cinquième de cette finale. Voilà, mais il a participé. Il a vu ce qui se passait. Et puis Ghislaine, qui est peut-être un peu dans l'ombre, mais non, qui est grande championne aussi. C'est ça. S'il te plaît. Alors, à chaque fois, ma mère, elle me dit, je ne suis dans l'ombre de personne. Non, hein, voilà. Je suis moi. Voilà. Chacun a eu son parcours, finalement. Ma mère a fait du saut en hauteur. Elle a été championne de France de saut en hauteur. Elle a détenu le record de France de saut en hauteur. Elle a fait deux Jeux Olympiques. L'originalité pour elle, c'est qu'elle a fait Mexico 68 en tant que sauteuse en hauteur, et Munich 72 en tant que sprinteuse. Oula, elle a fait Munich 72. Elle a fait les deux Jeux Olympiques qui étaient bien marqués par l'histoire également. On parle moins d'elle que de ton père. Oui, parce parce qu'à l'époque, les performances féminines aussi et étaient moins... Et puis politique aussi. Il a eu une carrière politique après. Et à leur époque, en sport, les performances féminines étaient moins mises en valeur que les performances masculines. Colette Bézeron a été championne olympique. Il y avait plus de une sur mon père qui avait fini troisième, alors qu'elle, elle était championne olympique. Donc, il y a cette époque-là aussi. À part Kiki Caron.
Kiki Caron était porte-drapeau, c'est vrai. Je sais pas pourquoi. C'est vrai, mais c'était 68 également, Mexico 68, et ma mère a défilé derrière elle. Ah ouais. Elle était dans la délégation française à ce moment-là. Donc ma mère a eu une vie de lutte pour exister, parce que déjà d'être femme dans le sport dans les années 60, c'était les remarques, elle, de sa belle-mère, qui disait que les filles ne devaient pas être en short devant les garçons. C'était aller s'entraîner malgré tout, avec un entraîneur qui venait la chercher, c'était un homme, elle était jeune fille, 13-14 ans, donc il y avait des réflexions dans son dos sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe. Et voilà, donc elle a été en lutte et a cherché à chaque fois à dépasser ses limites, à battre ses records pour montrer à quel point elle avait de la valeur et que ça dépassait tout ce qui était extérieur, à savoir son genre, à savoir sa couleur. Mm-hmm. Elle a dû prouver qu'elle était française plus que les Français alors qu'elle portait le maillot de l'équipe de France, mais sa couleur venait trahir une autre origine aux yeux du Français plus clair. Et donc voilà, elle a dû trouver son travail, sa place aussi, parce que c'était une époque où les sportifs ne gagnaient pas d'argent. Aujourd'hui, les sportifs ont de la chance d'avoir un aménagement et de gagner de l'argent et d'aller au bout vraiment de leur rêve de sportif. Elle avait un double projet dès le début. Elle devait être enseignante. Elle devait être enseignante en plus. Elle rêvait d'être architecte ou comptable. Et son père l'a forcée à suivre des études dans l'enseignement parce que c'était plus court. Parce qu'ils étaient neufs à la maison et qu'ils ne pouvaient pas payer des longues études, qu'être architecte, ça, il fallait 7 ans d'études. Donc du coup, à contre-cœur, elle a fait enseignante. Mais elle a excellé dans, dans ces études-là. Elle a fini majeure de sa promotion au Crêpes de Guadeloupe. Elle a été nommée à Paris alors que tous ses camarades se retrouvaient dans la Creuse, en Bretagne, enfin loin, dans une France lointaine pour des Antillais. Et donc, elle a fait carrière à l'INSEP, qui est le temple des sportifs de haut niveau, pendant 40 ans. Elle a eu des élèves connus, notamment Laura Flessel. Et parce qu'elle a formé tous les sportifs qui voulaient devenir à leur tour entraîneurs, qui voulaient passer le brevet d'État, enfin qui le professorat de sport. Donc voilà, donc effectivement, j'étais fière de pouvoir en parler dans mon documentaire et d'en parler également dans mon livre. Dont on n'a pas dit le titre, Mes parents, ce couple de champions. Voilà. Voilà. Pour parler autrement justement de la vie qu'elle a eue. Et lui aussi d'ailleurs, mais puis leur rencontre, et voilà, tu parles des deux. Je parle des deux avec mon regard d'enfant qui a imaginé, qui a idéalisé leur rencontre aux Jeux Olympiques de Mexico. Mon père était malade et j'imaginais que ma mère était venue à son chevet pour l'encourager, le soigner, mais ils m'ont dit mais pas du tout, il y avait un village des hommes, un village des femmes, on n'avait pas le droit d'aller de l'autre côté, enfin bon, mais le romantisme a disparu quand j'ai recueilli le témoignage de mes parents, mais c'est normal après 50 ans de mariage au bout d'un moment. Et puis d'ailleurs tu racontes des choses très intimes qui leur sont arrivées, aux deux, leur histoire, les histoires de famille, d'hommes et de femmes, quoi, voilà, en fait, de couple, il peut y avoir des secrets de famille, mais des secrets qui ne sont pas dramatiques tant qu'il n'y a pas mort d'homme. Et puis la vie continue. Exactement. Alors juste, est-ce que tu sais pourquoi ils sont rentrés dans l'histoire? Tu l'as dit peut-être, mais j'étais en train de chercher quelque chose, excusez-moi, j'aime pas chercher. Donc Emmanuel Nossin, l'ouvrage, c'est le rêve, j'ai horreur de ça, le rêve du Mansfeny. Va lire ça, ça va t'intéresser. D'accord. Un énorme pavé. Donc, il est pharmacien, ethnopharmacologue. Il travaille beaucoup sur les plantes médicinales et notamment dans le cadre d'un groupe qui s'appelle Tramil, qui travaille sur les plantes dans la Caraïbe. Donc, le rêve du Mansfeny. Okay. D'accord. Sur cette période de l'histoire de la Martinique. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi Roger Bambuck, qu'est-ce qui a fait qu'il est rentré dans l'histoire? Est-ce que tu sais? Ha, 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 petit quiz. Non, je connaissais le couple pour ses exploits sportifs. Mais lequel? À quel moment il rentre dans l'histoire? Parce qu'après, on t'a dit Mexico et elle a fait Munich. Mais à quel moment il rentre dans l'histoire? Vas-y, donne ma langue au chat. En courant hyper vite. Voilà, il a battu le record du monde du 100 mètres. En 68, 20 juin 68 à Sacramento. En fait, c'était une course de dingue. C'était les championnats des États-Unis. Mon père était le meilleur en Europe, le meilleur en France, le meilleur en Europe, le meilleur sprinter. Mm-hmm. Et il lui fallait de la concurrence et on lui a proposé d'aller courir, défier les Américains. Ouais. Et sur leur terrain, alors c'était plusieurs séries de courses. Et il y a eu plus de 5-6 records du monde qui ont été battus en une nuit, la même nuit. Dont le sien d'ailleurs. Dont le sien.
Et donc, moi, ce que j'ai retenu à niveau d'enfant, c'est qu'il avait battu le record du monde, oui, mais il l'a détenu pendant 60 minutes. Voilà, parce que c'était battu. Voilà, les records du monde, c'est fait pour durer des années. Ouais. Bah, lui, pendant une heure. Il a été recordman du monde pendant une heure. Mais c'est dans les tablettes. C'est déjà ça. Sur Wikipédia. Voilà, tu regardes. Voilà. Et puis, elle aussi, elle a marqué l'histoire parce qu'elle a battu aussi un record. Elle a sauté 1m80. 1m80 dans une technique qui ne se fait plus aujourd'hui, ça s'appelle le rouleau ventral. On enroule la barre alors qu'aujourd'hui on saute en Fosbury. Ouais. Voilà. Alors ma mère aime bien dire l'explication. Quand elle a regardé Fosbury, elle était intriguée, elle a essayé, mais elle a dit non. Alors, Dick Fosbury est un Américain qui a inventé la technique de se retourner pour franchir la barre plutôt que de l'enrouler. Ouais, c'est joli, ça. Ouais. On va essayer. Joli. Et ma mère, donc, enroulait la barre. Elle a vu quelqu'un qui passait la barre et qui l'avait dans son dos. Elle a dit, non, moi, je n'aime pas avoir mon adversaire dans mon dos. Oui. Je veux faire face à la barre. Son adversaire, c'est je veux faire face à la barre. J'aime pas qu'on ait d'avoir quelque chose dans le dos. Donc elle a fait 69, elle a sauté 1m80. Après, il y a eu Maryse Evangépé, 1m96. Et puis Mélanie Skolnick, excusez-moi, 1m96. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Alors, parlons quand même de. Donc, ce sont les sportifs. Mais pourquoi on a retenu, sans manquer de respect à ta mère, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Roger Mabille parce qu'il a fait de la politique aussi. Il a été ministre aussi, secrétaire d'État, ministre. Oui, alors c'était secrétaire d'État à l'époque, secrétaire d'État de la jeunesse et des sports, de 88 à 91, dans le gouvernement de Rocard, sous Mitterrand. Mmh. Et en plus, il était pas prédestiné, on va dire, à être ministre. Mon père a toujours rêvé d'être médecin. Oui. Il voulait faire des études de médecine. D'abord pour connaître son corps en tant que sportif. Il a suivi des études, mais c'était en parallèle de sa carrière de sportif. Et à l'époque, il n'y avait pas d'aménagement de temps entre les entraînements et les études. Donc du coup, il est allé à des examens sans trop travailler, sans trop réviser. Et il a échoué dans ses études. Quand il a arrêté sa carrière, il fallait travailler. Il a cherché à travailler, il a travaillé dans le commerce. Au début, on lui a proposé, en tant qu'ancien sportif, de vendre des chaussures de sport, Adidas, Pony. Et puis, il s'est rendu compte que se faire de l'argent avec le sport, ce n'était pas du tout dans sa mentalité, puisque lui, c'était sportif amateur, déjà, il ne gagnait pas. Et ce n'était pas dans sa mentalité, donc il ne s'y retrouvait pas, il n'aimait pas vendre. Et il a commencé à réfléchir, à dire, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, du sport? Le sport, c'est quoi? Le sport, c'est des valeurs, c'est un esprit. Et le sport, c'est pas que le haut niveau. Le sport, c'est former les citoyens de demain. Mm-hmm. C'est apprendre à respecter des règles, vivre en groupe. Et donc, il s'est dit, ça peut avoir des visées pédagogiques. Et à force d'avoir ce genre de discours, ça a intéressé les politiques. Il y a un maire d'une commune de Seine-Saint-Denis qui lui a proposé d'être directeur des sports. Il se trouve que ce maire était socialiste, donc ça l'a rapproché des mouvement socialiste de Michel Rocard. Mm-hmm. Et donc, il a fait partie des premiers clubs de pensée, les think tanks, Club Convaincre, sport de Michel Rocard. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est rapproché des politiques. Ouais, donc, magnifique. Il avait une envie de transmettre, d'être utile par le sport. Par contre, la politique, ça s'est arrêté au ministère parce qu'après, il a cherché à poursuivre dans sa carrière politique. Mais là, il s'est rendu compte des manigances politiques qui font que quand on est humaniste, on ne peut pas. Ouais, humaniste et politique, ça ne va pas ensemble. Il y a le mot carrière entre. Oui. Il s'est présenté à des élections législatives. Il n'a pas été soutenu par le Parti socialiste. Il est allé en territoire Front National. En plus, il s'est dit, moi, avec ce que je représente, peut-être que je vais pouvoir faire changer les choses, que les gens vont regarder ma valeur et pas ma couleur. Et en fait, il n'a pas été soutenu, mais par son propre parti, en fait. Ce n'est pas la droite qui l'a battu. C'est le Parti socialiste qui n'a pas soutenu. En tout cas, tu voulais rendre hommage à tes parents par ce livre de la belle manière, n'est-ce pas? C'est très beau. C'est très beau. Je l'ai lu le livre. Tu vas le lire. Je vais le lire également. À 8 minutes de la fin de cette émission, il est temps de parler d'un homme. Je ne me rappelle pas de qui tu avais parlé. Ah, elle a oublié. C'est bien. Super, tu as oublié. Je ne me rappelle pas de qui elle avait parlé. On parle d'un homme. Alors, tu as parlé de ton père, mais tu peux parler de lui à nouveau. Tu peux parler de quelqu'un d'autre. De quel homme voudrais parler? Alors là, Aurélie, faut réfléchir. C'est très. Oui, c'est comme ça, ok, c'est comme ça, et on parle d'un homme.
Voilà, même si on a parlé de Roger Bambuck. Ah, il faut que j'en trouve un autre. Non, pas nécessairement, mais tu nous dis, raconte-nous quelque chose d'autre et pourquoi, je ne sais pas. Oui, c'est peut-être banal, mais j'ai toujours... Tu parles d'un homme de tes... Je me demande si la dernière fois, je n'avais pas parlé de mon père, mais j'ai très envie de parler mais de mon père. Mais vas-y, redis-nous. On a oublié parce aussi, parce que mon père, c'est également un héros. Mm. Son histoire est tellement improbable. C'est un homme qui arrive en 1958 à Landby Way pour faire carrière dans l'aéronavale, parce qu'il est fou d'avions, de bateaux et d'électronique, heureusement. Et il se rend très vite compte qu'il ne peut pas faire carrière parce qu'il est noir. Et qu'à l'époque, c'était que dans l'infanterie qu'il y avait des noirs gradés. Et très vite, il va changer son fusil d'épaule, aller prendre des cours du soir à Paris, tout en travaillant et en élevant, en ayant charge familiale. Et il sera repéré par la commission, la jeune commission européenne, Communauté économique européenne, pour travailler au centre de recherche nucléaire en Belgique. Oh. Et donc, c'est un parcours complètement improbable d'un gamin qui n'avait pas le bac, mais qui était très fort en électronique et qui devient ingénieur en électronique à la Communauté économique européenne. Et qui Comment il s'appelle ? Guy Dronier. Voilà, originaire de... Alors, la famille Dronier, Eugène, est originaire de Saint-Pierre, oui. Et puis de Sainte-Marie. Et voilà. OK, belle histoire, hein. Donc l'homme, tu as eu le temps de réfléchir. Ben oui, mais je pense qu'à mon père. Les filles et leur père. Mais oui, il y a peut-être un lien particulier entre les filles et leur père. Mais on a parlé, oui, de la belle carrière de mon père. Mais aujourd'hui, il a 78 ans, mm-hmm. Il est diminué physiquement. Mm-hmm. Et il ne peut plus faire tout ce qu'il faisait. Et je le vois comme ça. Et c'est pour ça que je réactive sa mémoire à mm-hmm. l'interroger. Parce qu'il est devenu passif alors qu'il mm-hmm. était très actif. Et que je me dis à quel point ça doit être compliqué d'être prisonnier de son corps, de subir son corps et de n'être plus qu'un esprit. Et je n'arrête pas de le motiver à lui dire « Mais tu es justement encore un esprit, donc tu peux encore partager des choses, tu peux encore avoir des pensées qui peuvent être transmises. Mmh. » Et donc voilà, donc, je pense à ce qu'il pourrait faire encore. Ok. Jingle, le mot de la femme, le mot de la fin. Mesdames, vous qui êtes des femmes de création, alors on n'a pas, il faut donner envie, hein, donc on n'a pas tout dit, hein, donc on a parlé de... Ah bah heureusement. Heureusement, ouais, bon, on a dit ce qu'il fallait. Mmh. Olvidia, donc ce passage, on parle à Martinique, et puis on traverse ce moment, on est à Paris, on croise des personnages historiques, effectivement, on parle de Robespierre, on croise notamment Olympe de Gouges, et puis il y a une histoire très particulière entre Madame de Lalain et Olvidia. Mmh. On s'arrête là, mmh. Et puis cette fin, donc... sur la signature du traité de Whitehall. Alors, toi, tu es intéressé par l'histoire. Qu'est-ce qui t'occupe, là? Tu ne vas pas me dire sur quoi tu écris, mais quand même. Ah si, si, si. Ah si, tu nous dis, ah, ben, ça me résonne avec ce que disait Aurélie, puisque je travaille sur ma famille. D'accord. En fait, on m'a demandé un récit introspectif. Mmh. Je préfère le récit introspectif à l'autobiographie. Et j'ai décidé de raconter une traversée de l'amour qui commence avec la rencontre de mes parents, qui est romanesque, mais à un point. C'est à quel point? Je ne vais pas te dire maintenant. Ah. Tu découvriras ça dans le teasing. Prochain. Teasing, oh là, teasing, teasing. Voilà, donc jamais 203. 203, tu vas venir nous parler. Donc, tu ne vas pas nous dire le titre non plus? Si. Ah si, bon si, ah, bah, tiens. C'est à aimer que le temps passe. Pardon? C'est à aimer que le temps passe. Ah, c'est à aimer que le temps passe. Il y aurait une traduction créole? Il y aurait un proverbe créole sur celui-là? C'est à aimer que le temps passe. On va chercher. Oui, si tu trouves, tu me dis. Okay, je te dis. Parce que l'autre, clairement, c'était la traduction de proverbe. Et tu sais que c'est même pas ça qui pour. Au départ, c'était Sab Kipou. Sab Kipou. Sab Kipou, le sable de la rivière avec lequel on prenait, qu'on prenait pour faire les maisons, pour faire les trucs. Ah d'accord. C'était Sab Kipou. Et puis. Sab Kipou, la rivière Pacachaï. Avec l'évolution de la langue créole, c'est devenu Sab Kipou. Ok, Sab Kipou, merci. Le mot de la forme, le mot de la fin. Donc, toi, tu nous as dit que tu voulais gagner ta vie. Donc, on dit non, fini, et puis journaliste. Donc, oui. Je suis auteur de BD. Qui c'est qui te fait les illustrations de Pacotille? C'est Olivier Berlion pour Pacotille et Corbeyran au co-scénario. On est deux. Et Christian Favrel pour les couleurs.
D'accord, tu travailles sur un prochain documentaire? Et là, je travaille sur un documentaire une partie vient de sortir. Après avoir fait l'ancienne génération des champions d'outre-mer, je me suis intéressée aux champions d'aujourd'hui. D'accord. À la nouvelle génération, j'ai suivi 5 jeunes qui passent d'ailleurs sur le service public, absolument, Outre-mer, terre de champions. Oui. 5 jeunes originaires des territoires d'outre-mer dans leur quête de qualification olympique, mm-hmm. avec, et paralympique d'ailleurs. Et donc moi, je porte mon héritage, j'essaye de leur transmettre et je vois l'évolution qu'il y a eu entre ce qu'ils vivent aujourd'hui, ce qu'ont vécu mes parents. Mm-hmm. Et donc voilà, donc là, je vais les suivre. J'ai une actualité olympique. Mais on ne lui a pas demandé si elle avait fait du sport, hein, au fait. Non, mais ce n'est pas grave. Tu as fait quoi comme tu as essayé peut-être? Oui. Basket, tu es grande. Ouais, je me suis perdue dans beaucoup de sports. J'ai fait du plongeon alors que j'avais le vertige. On n'a pas parlé de ça. On n'a pas beaucoup le temps. On n'a pas parlé de ça, mais comme tu es fille d'eux, on t'attend sur des choses. Se transmet pas les performances. Vitesse ne se transmet pas. Donc, il faut. Moi, j'ai fait de l'athlétisme, oui, mais tardivement. Le 100 mètres, ce n'était pas assez long pour moi. Okay. C'était trop court. Il fallait que je fasse le tour de piste. Je faisais du 400 mètres. J'ai fait du 100 hauteur. J'ai soigneusement évité de battre le record de ma mère. Elle m'a bien remarqué que... Mais tu n'as peut-être... Parce que tu n'as pas pu. Ah, c'est peut-être ça aussi. Donc voilà, j'ai surtout fait du basket, effectivement, mais jamais avec des rêves de championne. Parce que s'il y a une chose, mes parents m'ont mise en garde sur le sport de haut niveau. Mm-hmm. De haut niveau en particulier, le sport de compétition. Il faut y être préparé. Et donc, JO, juste un truc, enfin, ça va commencer là, JO, donc, on parle beaucoup de Mélanie, tu as suivi De Jésus de Santos, oui, elle est incroyable. Oui. Donc, c'est quoi nos espoirs là, de médailles? Nos espoirs de médailles sont dans les sports qui réussissent traditionnellement aux Antilles, l'escrime, il y a Yannick Borel, il y a Luigi Middleton, il y a Enzo Lefort. Mm-hmm. Malheureusement, l'athlétisme, ça fait bien longtemps qu'on n'a plus personne déjà chez les Français, mais encore moins chez les Antillais et les Guyanais. Mais j'espère, moi, je suis justement une jeune qui s'appelle Jemima Joseph, qui est la meilleure sprinteuse. Jemima Joseph, guyanaise. Elle est guyanaise. Okay. Elle est guyanaise et justement, contrairement à mes parents, elle n'a pas quitté sa Guyane. Mmh. Elle reste s'entraîner en Guyane. Elle a réussi à faire les minima olympiques en Guyane. Mmh. Et j'espère qu'elle va réussir à briller aux Jeux olympiques. Là, elle est vice-championne d'Europe avec le 4x100 mètres. Donc du coup, voilà, j'espère qu'elle va briller à Paris. Mais oui, on attend Teddy Riner, bien sûr. Oui. Le poids lourd à Paris. Ah, okay. Et les basketteurs, les basketteuses, les handballeuses, les handballeurs. On a des réunionnais, on a vraiment l'outre-mer olympique et prêt à briller. Mais tu disais, donc, tu as travaillé sur cette série de 5 champions. Oui. Et donc ton prochain projet, c'est... C'est de continuer à les suivre. Jusqu'aux Jeux Olympiques, je fais aussi une série numérique avec 15 champions d'outre-mer cette fois-ci. Et donc voilà. Et l'écriture, le roman peut-être? L'écriture, moi, il faut que je poursuive ma quête généalogique que j'aille en Afrique. Pour le coup, je ne suis jamais, moi, allée en Afrique. Okay. Et donc, du coup, j'ai envie de le vivre et de le partager d'une certaine manière. Donc, je vais chercher à raconter cette histoire et à m'y rendre en le filmant. Mais tu nous as dit d'où venaient, enfin, même si tu t'es arrêté effectivement à la Guadeloupe et la Martinique, mais tu sais d'où ils viennent quand même, les origines des pays? Il y a des indices avec le nom Bambou, il y avait un royaume Bambouk du côté du Sénégal. Donc il faut que j'aille vérifier ça, parce que ça peut participer aussi à la mythologie de, on descend de rois africains, mais personnes esclavisées. Ouais. Donc, à voir. Vous avez dit votre mot de la fin, je vous ai demandé, le mot de la fin? Non. Le mot de la fin, alors? C'est pas mal comme mot, l'onomatopée. C'est ça, le mot de la fin, c'est ça. Voilà. Le mot de la fin, un mot. Un seul mot. Non, une phrase. Attends. Je ne vais pas faire comme l'autre. Vivement après. Vivement après. Le mot de la fin, Aurélie? Plus vite, plus haut, plus fort. Voilà, on va s'arrêter là avec mes deux invités. Merci Victor Laszlo, merci Aurélie Bambuc d'avoir été mes invités pour ce 153e épisode de Forme. Merci à vous de nous suivre tous les mardis 20h10 sur Zitata. Je vous retrouve la semaine prochaine avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Bye bye, à bientôt. Femme. 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 Femme.